soir, c'est une soirée extraordinaire, faut quand même le dire, mm-hmm. avec 8 villes en duplex, 7 villes en duplex. Ouais. Munich, Londres, Amsterdam, Strasbourg, Bruxelles, Nice et Paris. Als Vertreter des Ministerpräsidenten des Landes Bayern, Herrn Dr. Franz Josef Strauß, begrüße ich nun den Staatssekretär Dr. Stoiber. Sich viel mit der Notwendigkeit zu befassen, dass eben ein freies Europa und diese Gegensatz haben wir, Europa ist ja leider geteilt in einen unfreien und einen freien Teil, dass dieses freie Europa eigentlich nur zusammen seine Ideale erzielen, vervollkommnen und erreichen kann. Hier ist Ticketoy and Sinio. Ici Munich, à vous Paris. Au revoir. Merci beaucoup Munich. Et maintenant je vous propose de traverser la Manche et de rejoindre nos amis anglais à Londres. London, you're on. À vous Londres. I'd like to welcome you here this evening on behalf of AJ London. AJ briefly stands for the General Assembly of European Students. Tonight is a very exciting and challenging occasion. I'm sure that in a few years' time, a student trans-European satellite link will be taken as a matter of course. But I'm sure that here this evening, we all feel very conscious and very privileged to be participating in such a historic event. Good evening, ladies and gentlemen. The first designer we will be showing tonight is Catherine Glazier. Nous voilà donc de retour à Paris et nous allons rester ici pendant une heure. Alors l'EG Paris, c'est quoi précisément? EG Paris, c'est un des membres d'une grande famille qui s'appelle EG Europe. Bonjour l'Europe. Hélène Narveler, recteur de l'Académie de Paris. Madame Narveler, je vous demande de venir. Chancelier également des universités. Parce que l'Europe, ce n'est pas une idée, hein. C'est une certitude et un espoir. Et surtout quand elle est faite par les jeunes. Il faut quand même que ce soit autour de G, une sorte de foyer de creuset où les jeunes de tout pays puissent trouver leur espoir. Vous savez, l'Europe, il faut qu'elle vive dans nos cœurs et qu'elle s'exprime dans des actions précises, celles des individus. C'est une volonté de liberté. Environ 1 million d'étudiants bénéficient du Fonds social européen pour faire la formation professionnelle. The opportunities for the exchange of people between Britain and the rest of the community, that's important. The opportunity for increased trade, that's vitally important if we're going to make the best use of a community of 350 million people. Je vais appeler le grand président de l'EG Europe, Franck Biancheri, à nouveau sur ce plateau. On pense que pour nos générations, il n'y a pas 36 solutions. L'Europe doit se faire dans les 20 ans ou 30 ans qui viennent, sinon pour nous, le non-choix sera simple. Les pays européens seront politiquement finlandisés, technologiquement japonisés et culturellement américanisés. Et nous pensons que l'Europe mérite autre chose que ça. Nous pensons que l'Europe, si elle se crée, va être un phénomène historique qui va être unique, qui n'a nulle part d'exemple où les pays qui se sont entretués pendant des centaines d'années décident dans la liberté et en pleine volonté de travailler, de vivre ensemble.
La seule condition que nous posons, parce que c'est la condition qui historiquement détermine une entité en tant qu'unité, c'est que la politique étrangère, la défense, et c'est ce que disait Michel Jobert tout à l'heure, c'était tout à fait vrai, et la politique économique doivent être contrôlées, si vous voulez, par une entité unique. L'Europe a un capital en hommes, un capital en intellectuel, en technique, en scientifique qui est absolument énorme. Et ce qui manque, c'est cette volonté de se dire les défis, on peut les surmonter. Et j'ai justement, notamment la vidéo a été un de ces exemples qu'on a voulu donner, c'est qu'une association d'étudiants qui a pris, il n'a pas de moyens financiers, il n'a pas de moyens techniques pour faire une opération comme celle-là qui est une première. Et finalement, la volonté de ces étudiants en Europe, de ces jeunes, ces simples citoyens, a réussi finalement à ce que ce qui passe ce soir se déroule. Cette opération, vous en êtes un petit peu le promoteur, si j'ose dire. Oui, donc dans cette opération, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même toujours une équipe derrière. Et justement, cette liaison vidéo par satellite a pu être faite grâce à la structure qui était assez originale au niveau de VG Europe, qui était une structure par ville. Good night, world. And in particular, Europe. Here is Amsterdam. Seen from the Netherlands, this European night comes at a very good moment. For as president of the European community during the first half of 1986, we in the Netherlands, we believe that we are at the beginning of a new era, a new start of political will and more effective decision making. Ooh, la, 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 can we stay? Oh, bloody, 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 bloody damn! But you are vulgaire. vous êtes le même. Mais nous sommes tous European. Merci beaucoup Amsterdam. Merci, c'était un programme très très complet. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir l'Europe. Au nom de Strasbourg, je suis fier d'être reçu ce soir dans cette autre ville européenne. Bonsoir à vous tous présents dans la salle ainsi que dans les autres villes européennes. Les nouveaux moyens de communication, tels que le satellite Eutelsat qui nous permet ce soir de nous voir, de nous entendre et de passer la soirée ensemble, ces satellites, ces nouveaux moyens de communication, constitue une chance et un ras-le-tout pour la promotion de l'idée européenne. Le vrai enjeu se situe en effet sur le plan de la technologie. Alors, c'est une excellente occasion d'en parler. Alors, bravo pour les étudiants qui ont eu l'idée d'organiser cette soirée. J'ai déjà parlé souvent, mais jamais à travers des satellites. Alors même pour moi, c'est une grande première. Ensemble, nous, Européens, nous gagnerons la course aux technologies nouvelles. Dans ce contexte d'évolution foudroyante dont on a parlé, de la science, de la technologie, des communications de masse, je voudrais mettre ici en évidence deux idées forces qui sont à la base de l'action du Conseil de l'Europe, à savoir la protection des droits de l'homme et l'identité culturelle européenne. C'est à vous. Avant de parler de l'Europe, des G, des jeunes, je voudrais juste dire qu'après
deux mois au moins de suspense intense, de guerre des nerfs, de minute à minute, l'heure H avant une heure. Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission en direct sur toute l'Europe. Quelle place voyez-vous pour l'Europe au XXIe siècle qui est très près maintenant? Bien, tout dépend de la faculté d'adaptation des individus et des institutions qui nous entourent, que ce soit l'entreprise, le système bancaire ou même l'État-nation aujourd'hui. Merci Bruxelles. À vous Nice. Ici Nice donc. Bonjour tout le monde à Paris. Tout d'abord Nicoletta qui est à mes côtés. Le peintre Guido qui vient de réaliser une première mondiale. Décidément, EG Europe aime beaucoup les premières. Monsieur le député maire de Nice, président du Conseil général des Alpes-Maritimes, Jacques Médecin. C'était Nice, donc la dernière étape de cette grande soirée qui a duré plus de 4 heures. Alors rapidement, Franck Biancheri, voilà. un mot de conclusion. Voilà, bien pour conclure, je voudrais remercier toutes les équipes EG qui ont participé à l'opération et le public, bien sûr. Sur le plateau, les équipes montent déjà à Paris. Je voudrais que dans toutes les villes, les équipes EG montent également sur les scènes. I want to all the EG teams in every town to climb by from the scenes. And on va aller, bien écouter. Merci à tout le monde, merci aux étudiants, merci à la technique, merci à tous ceux qui nous ont aidés à faire cette soirée ce soir. Et puis maintenant que la soirée commence dans toute l'Europe. Merci Denis. Place à la musique. Place à la musique.